On a parlé de Kadhafi ici, personne n'a cru. C'est arrivé. Vous l'avez vu, non? Je vous ai parlé. Quand Kadhafi va disparaître, vous allez avoir des. Ben, on a dit aux différents présidents, personne ne croyait. C'est arrivé, non? J'ai dit que les gens vont attraper leurs enfants avec des sodas sur la tête, attraper les enfants, courir, comme c'était en Centrafrique. Là. Les gens ne croyaient pas. Les gens n'ont pas couru. Arrêtez ça maintenant. Je vous ai dit, d'ici 2030 là, vous allez voir clair. Le soleil se lève sur l'Afrique. Personne ne peut empêcher ça. Le soleil se lève sur l'Afrique. Hey, on a étudié l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde. On a, parce qu'il n'y a jamais eu, y a pas, personne n'avait écrit sur l'Afrique si ce n'est pas Kizerbo plus tard qui a écrit. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas enseigné en Afrique noire l'histoire de l'Afrique noire. Donc les Sundiata Keita, les Almami Touré, non, ils n'ont pas été écrits par chose. On a fait oublier l'histoire de l'Afrique. Parce que chacun sait, tous les continents savent, toutes les races savent que l'aiguille est en train de tourner. Écoutez-moi, l'aiguille est en train de tourner. Donc l'aiguille chrétienne s'est levée à Jérusalem, a balayé donc tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient, les grands empires qui étaient là avant, l'empire grec, l'empire médo-perse, tout. Tous ces empires-là, c'est la statue de Daniel dans le livre de Daniel. Donc, que Daniel a vu dans son livre. Et l'aiguille a commencé à tourner. Et l'aiguille est venue s'arrêter en Europe, en particulier en Allemagne, avec un petit prêtre appelé Martin Luther, que les gens essaient de faire partie comme un protestant. Et les gens acceptent ça, une église protestante. Toi, tu es une église protestante. Tu es protestant contre qui? Pourquoi on vous séduit comme ça, là, église protestante? Tu protestes contre qui? Si ça vous plaît, vous mettez sur vos bâtiments église protestante évangélique. Est-ce que protestants et évangéliques vont ensemble? Évangile, c'est bonne nouvelle. Protestant, c'est mauvaise nouvelle. Je vous parle clairement là. Ça n'est assez. On est en train d'aller à la confrontation mondiale. Que vous le voulez ou pas, la troisième guerre mondiale va se faire. Et le gouvernement mondial est déjà prêt. Nous avons ces secrets-là. Nous savons ce qu'ils font. Ils croient que nous sommes bêtes. Ils croient que les spirituels sont idiots. Ils ne savent pas que nous connaissons ces secrets il y a longtemps. On a parlé de Kadhafi ici, personne n'a cru. C'est arrivé. Vous l'avez vu, non? Je vous ai parlé. Quand Kadhafi va disparaître, vous allez avoir des. Ben, on a dit aux différents présidents, personne ne croyait. C'est arrivé, non? J'ai dit que les gens vont attraper leurs enfants avec des sodas sur la tête, attraper les enfants, courir, comme c'était en Centrafrique. Là. Les gens ne croyaient pas. Les gens n'ont pas couru. Je peux vous dire la troisième chose. Si vous ne vous réveillez pas, si vous n'exercez pas votre autorité là, ce qu'on est en train de prêcher maintenant, il n'y a plus d'espoir pour vous. Si vous continuez à vouloir les bénédictions simplement, les belles voitures, les ceci ou cela, vous allez comprendre votre douleur. On est à une confrontation. Personne ne peut l'empêcher. Aucun président de ce monde-là ne peut empêcher. Tous les présidents sont engagés dans un mouvement ésotérique mondial. Je le dis haut et fort. Aucun président n'est libre. Ils sont tous dirigés. Je n'ai pas dit les noms ici. La même chose, les médias sont tous contrôlés. Vous jouez avec ça. Continuez à jouer. Que les fondations, la fondation Intel, la fondation Intel peut nous aider ici. Quelle fondation? Quand on vole ta moralité et ton moral et qu'on te donne de l'argent, ça te sert à quoi?
Regardez des gens intelligents. Comment un homme intelligent peut dire à quelqu'un qui est né fille de devenir garçon? On dit liberté de faire quoi? Asseyez-vous honnêtement vous-même. Regardez, vous avez eu une fille. Et on lui dit qu'elle peut devenir garçon sans la permission de son père. Et vous dites que c'est normal, c'est la liberté. Quelque chose ne va pas en vous. Quelque chose ne va pas en vous. Vous allez dénaturer l'enfant. Si elle est née fille là, ses hormones, tout va dans ce sens. Si vous la transformez en garçon, mais vous créez un monstre. Ils veulent créer un monstre dans ce monde-là. L'intelligence artificielle qu'on ne peut pas contrôler et qui contrôle l'homme. Vous allez voir la conséquence. J'espère que c'est enregistré. Hein. Il y a des choses que je vous ai dit il y a longtemps, ça s'est passé. Un homme intelligent invente intelligence artificielle. Il ne peut plus la contrôler. Quand nous étudions les choses théologiques, la chaîne du travail, et que les gens travaillaient à la main, c'était introduit, parce que d'abord c'est venu d'Israël, dans l'armée, ensuite utilisé aux États-Unis, dans les affaires. Et quand j'étais à Toulouse, je faisais mes choses à Toulouse, à l'université de Toulouse. Je me suis inscrit, les ordinateurs étaient de gros appareils comme ça. On partait s'asseoir, on regardait. Regardez. Je préfère rêver votre conscience. Une église en train de chanter, danser. Hein? Qui ne pense pas ce qu'il doit. Non, on danse. On danse. Tous les jours, on danse. On va venir te trouver dans la danse. Tu vas comprendre ta douleur. Il faut être conscient maintenant. Il faut vous réveiller. Je vous ai dit que votre destin naturel va s'arrêter à votre retraite. Quand vous allez prendre la retraite, qu'allez-vous faire? Je vous pose la question. Si déjà dès maintenant, vous n'avez pas de destinée, vous ne savez pas ce qu'il y a. J'ai 77 ans, le 7 mars, Dieu voulant. Mais écoute-moi, 77 ans, je devais prendre ma retraite à 55 ans. 55 moins 77. Mathématicien, dis-moi, il y a quoi? 22. Donc il y a 22 ans sur la retraite. Si je n'ai pas ma destinée spirituelle là, 22 ans, un homme, 22 ans, il a sa retraite. Je vais faire quoi? Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a rien. Je vais faire quoi? Tous les jours, j'aurai mon transistor à côté de moi. Il capte toutes les radios là. RFI, la voix de l'Amérique, Angleterre, RTB, donc tout. Je m'assois. Tu as entendu? On a tué des chèvres ici. On a fusillé des gens là. Un homme peut tenir 22 ans comme ça. Regarde-toi, regarde-toi toi-même. Tu as pris la retraite là. 3 ans déjà. Regarde comment tu marches. Il y a quoi? C'est mon arthrose là. C'est mon rhumatisme là. Hey, marche. Je suis si content, Jésus m'a sauvé. Je suis si content, Jésus m'a sauvé. Je suis si content, Jésus m'a sauvé. Chantons, allez. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Et quand je regarde plusieurs jeunes, moi j'étais avant-centre de l'équipe de handball du lycée. Avant-centre de l'équipe nationale de Burkina. Tu entends? Et je vois les jeunes aujourd'hui. Même certains de l'église. Aussi ventre dodu. Mon fils, il y a quoi? Papa, tu vas prier pour moi? Ça va pas? Tu as déjà 81? Ta voix là, c'est une voix de 81.